Yo les gens, c'est Zarka, comment allez-vous? J'espère que vous êtes super bien. Que vous avez la forme, la patate, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là c'est juste une vidéo énorme. Donc un squad builder et concours. Donc c'est parti, donc juste avant... En fait, y'a rien à dire, je vais faire ma gueule. Donc c'est parti, donc on se retrouve pour un squad builder à plus de 500 000 crédits. Donc c'est une Liga BBVA. Alors, je sais que mon squad builder précédent, c'était une BBVA, il y avait Ronaldo... Et Bale, bon c'était dans le temps de FIFA 14. Mais là on est sur FIFA 15. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on va mettre championnat, Liga BBVA tout simplement. Et donc le concours sera un concours sur un joueur. Donc je vais vous le dire par la suite. Donc c'est parti, alors en gardien, on commence tout de suite par Iker Casillas. Je trouve que c'est le meilleur gardien, gardien de BBVA, de Liga BBVA. Donc je l'ai acheté pour 22 000 crédits. J'ai fait 9 matchs avec lui parce qu'avant j'avais Ter Stegen. Et franchement je le trouve largement meilleur. Donc franchement ça fait super plaisir. Ensuite on commence par le défenseur droit. J'ai pris Juan Fran. Franchement assez complet. Voilà, 1000 crédits je l'ai acheté. Enfin j'ai joué 36 matchs avec lui. Il m'a vraiment pas déçu. Franchement je trouve super, très complet pour peu de crédits. Donc ça fait super plaisir. Ensuite en DC, on passe en DC, donc j'ai mis défenseur central droit, pardon, Jérémy Mathieu. Alors Jérémy Mathieu, franchement, il m'a juste surpassé. J'ai cru qu'il allait être nul, j'ai acheté 2400 crédits. Et franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs. 1m92, franchement, il a une bonne vitesse, bonne stat en physique et en défense. Franchement, je l'ai trouvé extraordinaire. Franchement, achetez-le, je vous le conseille. Donc voilà, c'est un défenseur central gauche. Nous avons Pépé. Donc Pépé, lui, rien à dire sur lui, hein. Il a de très 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 bonnes stats, lui aussi avec le style gladiateur. Acheté pour 5800 crédits, donc franchement, c'est super. Donc voilà, donc ensuite en défenseur gauche, Marcelo. Donc voilà, Marcelo c'est le meilleur défenseur gauche aussi, que je préfère en Liga BBVA. J'avais Contrao, mais Marcelo fait vraiment la différence. Acheté du moins pour 32 250 crédits. Donc franchement, avec un style charnière, ça vaut à faire. C'est nickel. Donc ensuite on va passer au MC. Donc le MC droit qui est tout autre que Xavi. Alors Xavi, franchement, juste magnifique, 91 en passe. C'est ce qu'il me faut en fait, un bon MC. Voilà, franchement, il est juste énorme. Donc ensuite, l'autre MC qui est Kroos, Toni Kroos, rien à dire. Alors Toni Kroos, c'est le genre de joueur, dès que vous avez la balle, vous tentez un petit long shot, ça passe. Coup sûr, ça passe. Franchement, il est juste énorme. Donc Casilla, j'ai oublié de dire, acheté pour 15 000 crédits. Et Toni Kroos, acheté pour 17 500 crédits. Donc voilà, donc là après on va, là ici là le petit trio magnifique, donc on va commencer par l'AD, donc l'attaquant droit qui est tout simplement de l'eau-feu. Donc franchement il m'a pas fait de boulette. Franchement pour moi il est bon, 4 de vitesse technique et une bonne vitesse, donc 91 dans vitesse, là j'étais pour 4000 crédits, franchement c'est ce qu'il me fallait, c'est juste énorme, donc ça fait super plaisir. Voilà, donc ensuite on va passer au MOC que je vais vous faire gagner dans ce concours là, c'est d'autres, je dis que de la merde, c'est Rames Rodriguez, pas celui en prêt, attends, nous on a le vrai, on va le mettre, allez, voilà, donc Rames Rodriguez, c'est juste un monstre, franchement je l'ai kiffé. Donc voilà, acheté pour 72 500 crédits, donc 25 matchs, 6 buts, 7, il m'a pas marqué beaucoup de buts, mais en tout cas ses buts sont juste énormes. Seul point négatif sur lui que je pourrais dire, ce serait sa vitesse. Donc moi je vous dis que je l'ai acheté avec le style canonnier, pardon, mais je pense je vais lui mettre un style chasseur pour augmenter sa vitesse ainsi que le tir. Puisque franchement il manque un peu de vitesse, mais sinon franchement ça passe très complet. Donc voilà, c'est juste énorme. Et ensuite, le buteur, Karim Benzema. Alors, celui-là, je vous en parle même pas. Peut-être, que je vais vous faire un player review. Mais franchement, il est juste énorme, ce Karim Benzema. Donc, acheté pour 72 500. Et Rodriguez aussi, je sais pas si je l'ai dit. Mais voilà, donc Karim Benzema, voilà, 41 matchs, 50 buts. Franchement, je l'ai saigné, ce Karim Benzema. Il m'a plu, mais des fois, dans un match, il met 5 buts. Franchement, c'est juste énorme. 84 en vitesse, 84 en tir. Franchement, je pense faire un player review dessus. Puisque Karim Benzema, si vous devez acheter un buteur en BBVA, achetez-le si vous avez les crédits. Il est juste énorme, parce que Karim Benzema, c'est le genre de mec. Rien à dire, franchement rien à dire. Il a 74 en physique, pourtant moi, dans le jeu, moi je dis c'est des fausses stats, parce que dans le jeu, il a largement plus. Et donc voilà, donc franchement ça fait super plaisir. Et là j'ai pas Cristiano Ronaldo malheureusement, j'espère l'avoir Cristiano Ronaldo cette année. Mais voilà, mais en tout cas, c'est bien. Donc il s'agit de Neymar, donc Neymar acheté pour 297 000 crédits, franchement. Alors Neymar, juste énorme, 39 matchs, 20 buts, c'est certes, pardon, il a marqué moins de buts que Karim Benzema, mais en même temps c'est normal, un ailier gauche. Enfin bref, 5 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied, c'est juste énorme.
90 de vitesse, 82 de tir, 92 de dribble, voilà, de très très bonnes stats. Donc moi je vous le conseille, pareil, je vous conseille de faire mon équipe, tout simplement. Faites mon équipe, vous allez voir, enfin pour ceux qui ont les crédits, vous allez voir que c'est juste magnifique. Donc maintenant on passe au concours, enfin du moins à la deuxième partie. Alors le concours, c'est, putain, je ferme ma gueule. Le concours, tout simplement, c'est Rames Rodriguez. Donc voilà, très 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 complet, très simple. Alors pour l'avoir, c'est très simple. Donc si je passe sur une chaîne communautaire, donc Onifa ou Atari Gaming, ça sert à rien de poster sur la chaîne où vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire soit Onifa soit Atari Gaming, de mettre un commentaire je participe. Je vais pas compter ces personnes-là, donc allez sur ma chaîne. Et sur la chaîne de cette vidéo, vous allez commenter tout simplement. J'espère que vous m'avez compris. Donc, vous mettez je participe et vous abonnez à ma chaîne, participez et tout simplement mettre un petit like. Ça me ferait plaisir, les gars. Donc, voilà, franchement, quand même, je vous donne 62 000 crédits. Ouais, donc Rames Rodriguez, tout simplement. Donc, c'est pas donné, sachant que beaucoup de personnes sont pas pauvres, mais ont pas beaucoup de crédits sur FIFA. Moi, j'ai la chance d'en avoir. Au moins 100 000, enfin même plus, 500 000 quoi. Enfin bref. Donc les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, de mettre un j'aime, je participe, etc. Bref, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde, peace.